They promised the shield would save us from nuclear annihilation. They were right. They also promised a new era of peace. General, we cannot let the Russians secure Paris or the rest of Europe will fall. Destroy those Russian positions at any cost. Is that clear? Affirmative. On the way! Moving to the front, sir. Salut, c'est Pinkamela. Aujourd'hui, nous rentrons sur une nouvelle vidéo. On se retrouve sur ce jeu. Je voulais faire une vidéo depuis longtemps. Donc, on va commencer à faire la campagne. Hop. Oui. C'est parti. L'arme nucléaire fait 6 millions de morts en Arabie Saoudite et paralyse l'approvisionnement mondial en pétrole. 2017. Le bouclier antimissile américano-européen est mis en place. Le monde célèbre la fin de la menace nucléaire. Le décor est en place. L'approvisionnement mondial en énergie est dominé par la Russie, qui s'emploie à reconstituer sa puissance militaire. La Fédération européenne voit le jour. Sa population et son PNB sont supérieurs à ceux des États-Unis. 2020. Les États-Unis commencent l'assemblage de la station spatiale militaire Freedom Star. La fin approche. Le président Becerra a surnommé les Balkans un groupement chaotique d'États ratés et a reproché à la Fédération européenne d'avoir abandonné la région à son sort. Incapables d'assurer l'accès au pétrole, les gouvernements de nombreux pays des Balkans se sont tout simplement disloqués. Que l'Europe critique notre action au Venezuela lorsqu'elle aura résolu ses propres crises. Contrairement aux États-Unis, nous ne nous amusons pas à faire la police au-delà de nos frontières. Général, les satellites ont repéré des chars en train de débarquer d'un navire. Ils se dirigent droit sur nos tours de liaison situés sur la côte de l'Adriatique. Demandez au colonel Maldini de se connecter immédiatement. Colonel Maldini, l'Europe est attaquée par des unités inconnues. Un cargo sans immatriculation s'est posté le long de la côte de l'ex-Croatie. Il
Il y a débarqué des chars T-80. Ceux-ci s'attaquent au tour de liaison chargé de maintenir le bouclier antimissile le long de la frontière dans le No Man's Land. J'ai ordonné aux troupes régulières de l'infanterie stationnées à Fort Torun de repousser l'attaque et de s'emparer du cargo afin de déterminer qui est à l'origine de cette attaque. Vos hélicos nous fourniront un appui aérien. Le capitaine Chimino vous secondera. Au nom de l'Europe, colonel, je vous charge d'assurer le succès de cette mission. Ok, c'est parti. Le colonel Maldini s'est connecté à Overlord. La communication est sécurisée. Caméra sur Grenat, hélico désigné par unité 1. Unité 1 autorisée à attaquer ennemi 1 visible sur le HUD. C'est comme si c'était fait, Central. On va commencer. Je vois les touches. Ok. Ok, on dirait que c'est bon. Ok, c'est bon. Je sais pas pourquoi la caméra est plus vers le bas. Ça dérange un peu. Unité 1 autorisée à attaquer ennemi 1. On a eu un. Excellent. Ennemi abattu. Les tours de liaison Bravo et Foxtrot sont attaqués. Désignés par B et F sur le radar. On ne vous décevra pas, Central. Unité 2 est entrée dans la zone de mission. Et... Beau travail, un deuxième ennemi de détruit. Avec plaisir, Central. Ici Turquoise. Tous les appareils sont d'attaque. Réagissez rapidement si vous repérez un missile. L'ennemi subit des dégâts. On en a eu un. Ennemi 3 toujours opérationnel. Occupons-nous-en. Ici Turquoise. Tous les appareils sont d'attaque. Ici Grenat. Allez, on les dégomme et on va passer à l'autre. Bien joué, colonel. Ennemi 4 toujours opérationnel. Il faut finir le boulot. Qu'est-ce qu'il fabrique encore ? On va le faire comme un entraînement, Central. Grosse explosion au cargo. Ils l'ont fait sauter. Ici Turquoise, l'ennemi subit des dégâts. Ici Grenat, et un point. Allez, on les dégomme là. Pas de quartier. On est en route. Excellent travail, colonel. Ici Grenat. Ici Turquoise, on est en route.
Tous les blindés ennemis ont été éliminés. Les tours de liaison sont sécurisés. Ici le haut commandement. À quel point le navire est-il endommagé ? Il est totalement détruit, général. Il brûle encore. Je veux que vous m'exploriez cette épave de fond en comble pour découvrir qui se cache derrière cette attaque. Pour le moment, cette mission est confidentielle. Terminé. Voilà, ça c'est fait. Dans quelques minutes, Freedom 4 sera placé en orbite pour achever Freedom Star, la première station spatiale de défense américaine. Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Paris contre le lancement imminent de la station spatiale américaine. Malgré l'émoi suscité, le président américain est décidé à respecter le calendrier prévu. Nous allons lancer cet engin, rien ne nous arrêtera. Un instant, je crois qu'il vient de se produire quelques explosions. Mayday ! Intrus signalé au nord du pas de lancement. De nombreux véhicules ouvrent le feu. Colonel Taylor, le centre spatial Kennedy est attaqué par des forces non identifiées. Leur équipement militaire est très sophistiqué. Je vous place aux commandes des unités JSF chargées de la sécurité du lancement. Les forces de défense du centre spatial feront de leur mieux, mais sans notre aide, ils n'ont aucune chance. J'ignore qui sont ces vermines, mais je parie qu'ils veulent détruire Freedom 4. Si vous ne voulez pas sortir 35 milliards de votre poche, colonel, éliminez-les avant qu'ils ne fassent des dégâts. Le commandant Denison vous secondera. Le pays compte sur vous. Mitchell, terminé. Le colonel Taylor est en ligne. Communication sécurisée. Caméra sur le peloton de véhicules anti-aériens Snake River, désigné par Unité 1. Freedom 4 est en feu, colonel. Le support de mission montre le nombre de renforts disponibles ainsi que le total des réserves restantes. Le nombre de renforts qui peuvent être déposés sur le terrain s'accroît avec le temps. Utilisez Unité 1 pour attaquer Ennemi 1. Les Fastbacks vont s'occuper des hélicos de combat. Des ennemis attaquent par le nord-est et le nord-ouest. Bien, colonel. Excellent travail, colonel. Ici Mitchell. L'ennemi a lancé une attaque depuis un cargo ancré à 2 km au nord du centre spatial. Cette attaque a été bien préparée et dispose de gros moyens. Vous leur avez infligé de gros dégâts. Continuez. Une autre vague s'approche. Mitchell, terminé. Travail, colonel. L'ennemi encaisse des dégâts. Ici Comanche. L'ennemi subit nos assauts. Ici Snake River. On en a eu un, mon colonel. Vas-y, on les dégomme. Ici Mississippi. On attaque l'ennemi. Les charges Schwarzkopf sont tout à fait à la hauteur face aux véhicules de combat. Ici Mississippi. On est en position et on attend les ordres. Ici Snake River. Nous tenons la position. Ok mon colonel, c'est vous qui voyez.
Ah, je veux faire mon tour. Ah ouais. On y va, mon colonel. Ici Snake River. Tous nos véhicules sont intacts. L'ennemi a été anéanti. Freedom 4 est sécurisé. Ici Mitchell. La situation est plus grave que nous le pensions. La Fédération Européenne et la Russie se font également attaquer. Par le même ennemi, général ? Qui sont ces gens ? S'ils n'ont pas peur de s'attaquer à trois superpuissances au cours de la même journée, ils sont capables de tout. Je m'occupe de la coordination de la défense. Je vous transmets des ordres dans quelques minutes. Entendu, général. Nous restons sur le qui-vive. Efficacité et technicité. La raffinerie RPE de Rosenburg aux Pays-Bas est un vaste complexe qui traite 100% du pétrole européen et 35% des importations russes. Mayday ! Le RPE est attaqué ! De nombreux blindés se lancent à l'assaut à l'extérieur du périmètre ! Nous avons repéré un navire sur la côte. Hé ! On nous prend pour cible ! Colonel Maldini, la raffinerie RPE de Rosenburg aux Pays-Bas a été attaquée et est maintenant occupée par une force ennemie. L'attaque a été lancée depuis un cargo positionné sur la côte. Il y a des chances que notre ennemi soit le même que celui qui a attaqué nos tours de liaison croates il y a 12 jours. Des unités d'infanterie régulières sont prêtes à reprendre la raffinerie avant qu'elle ne soit détériorée davantage. Vos blindés et vos hélicos devraient vous permettre de remporter le combat. Si la raffinerie est détruite, la sécurité énergétique de notre nation en sera durablement ébranlée. Je compte sur vous, colonel. L'Europe a besoin de vous. Le colonel Maldini est connecté via la liaison sécurisée. Caméra sur unité 1, peloton de char, nom de code pirate. Explosion signalée dans l'enceinte de la raffinerie. Il faut accélérer le mouvement, colonel. Ils vont tout détruire. Le support de mission indique les renforts disponibles ainsi que le total de réserves restantes. Et un point. Les optiques de zoom sont utiles pour surveiller le champ de bataille et analyser les déplacements de l'ennemi. Ici pirate. Engage l'ennemi. Les chars panthères sont de taille face aux véhicules de combat. On en a eu un. Alors, voyons voir comment on met la carte. Comment on fait ? Ici Curie. Ok. Voiture déployée. Bon, on verra. Colonel, j'ai de nouvelles informations. Les mêmes ennemis ont attaqué le centre spatial Kennedy aux USA et des réacteurs de fusion prototype russe près de Minsk. Il faut découvrir qui sont ces gens. Bon travail, colonel. Excellent travail, colonel. Ah ! Ici pirate. C'est casse-couille. Je crois que c'est dans nos cordes. L'ennemi subit des dégâts. Oui, d'accord. On attaque l'ennemi. Ici Grenat. Nous sommes à destination. Ici pirate. On en a eu un. On engage les deux. Quelle touche pour ouvrir la caméra ? Ah, je regarderai après. Je sais. Je vais faire après. La prochaine vidéo, je regarderai. Enfin, je vais regarder avant et après, on pourra faire. Une fois que j'aurai compris toutes les touches, ça va être mieux. On pourra jouer plus facilement. On est en route, centrale. On y va, centrale. On est en route.
Tous les ennemis sont anéantis. La raffinerie est sécurisée. Ici le haut commandement. Le groupe responsable des attaques diffuse un message de revendication en 18 langues via l'extranet. L'armée des oubliés se bat au nom des laissés pour compte de la pénurie pétrolière. Aujourd'hui, nous avons frappé nos oppresseurs en plein cœur. Ils brûlent, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et les Balkans. Nous préférons sacrifier nos vies dans l'action plutôt que de mourir de faim ou de maladie. Levez-vous et suivez notre exemple. L'armée des oubliés ramènera la lumière sur le monde. Leur idéologie est limpide, Général. Mais comment ces déshérités se sont-ils procurés un tel équipement ? C'est précisément la question que je me pose, Capitaine. Et à laquelle nous allons devoir répondre. Trois attaques sont confirmées. Le centre spatial JFK, bien entendu, mais aussi une raffinerie de pétrole aux Pays-Bas et un réacteur de fusion modèle russe situé près de Minsk. Un groupe se présentant sous le nom de l'Armée des Oubliés revendique sa responsabilité sur l'extranet. Il s'apprête à attaquer, Général. Enfin, 12 minutes plus tard que prévu. Quelle bande de rigolos. Même pas fichu d'être à l'heure. Amateur. Bonjour, colonel Savilov de la 8e brigade de garde Spetsnaz. Vos forces sont stationnées près du réacteur de fusion à l'est de Minsk parce que celui-ci va être attaqué. Vous allez résister héroïquement pendant quelques temps, puis des renforts vous parviendront qui vous permettront d'anéantir l'ennemi. Nos ennemis peuvent endommager les bâtiments, cela rendra très bien à la télévision pendant le journal. Mais ne les laissez pas détruire quoi que ce soit d'important. Votre rapport de mission stipulera qu'il s'agissait d'une attaque surprise. En cas de manquement à cette consigne, vous risquez bien plus que votre carrière. Terminé. Savilov est connecté. La communication est sécurisée. Il faut mettre nos ingénieurs de combat à l'abri, mon colonel. Morts, ils ne serviront à rien. Allez, c'est parti. Minimiser nos pertes si possible. Nous ne recevrons pas de renfort tant que le support de mission ne sera pas en ligne. Sylvina, nous sommes à couvert. Ah, voilà l'attaque surprise que la télé a annoncée il y a un quart d'heure. Toutes les unités d'ingénieurs sont à l'abri. Parfait. Maintenant, il faut protéger Alpha à tout prix. Eh bien, on les dégomme là, au calme. Les unités ennemies repérées sont indiquées sur le radar de mission. Ah, ils tirent des lance-roquettes. Je pense qu'il est protégé, mes soldats. Ils seront protégés par mon instructeur. Il ne fait ni chaud ni froid. Vous êtes au courant des attaques, non ? L'Amérique et l'Europe ont été frappées également. Ici thermique. Nos hommes sont en pleine forme. Encore une vague de crétins. Ils en redemandent. Bienvenue
Il doit s'éclater. Prête à leur place. Ces clowns croient vraiment en leur cause. C'est pour ça que vous avez été formés. Vous êtes les meilleurs. Ennemi en déploiement. On a l'air de débiles! Dernière vérification des équipements! Ils tirent automatiquement, donc dès qu'ils sont à bonne portée, ils vont tirer. Donc j'ai pas besoin de cliquer, surtout s'il faut protéger la balle. Le support de mission ne devrait plus tarder à se connecter. Nous devons tenir. Quels amateurs. L'un de leurs commandants, un croate, a tenté d'attaquer l'Europe tout seul il y a 15 jours. Il l'a payé de sa vie. Ah, ils arrivent derrière nous. C'est bon, j'ai posé une unité. Ah bon, ok, ils sont bons. Regardez-moi ces crétins qui nous foncent droit dessus sans protection. Attends encore quelques minutes. Ennemi en déploiement. Et quelque chose d'aura du vent, encore des véhicules. Ce sera facile de tenir. L'ennemi se déploie. Ennemi en déploiement. Encore quelques minutes. Et ils arrivent avec des torches. Nous avons besoin de renforts immédiatement, mon colonel. À partir de maintenant, des renforts sont disponibles si vous en avez besoin. On va faire venir les hélicos. Ah bah non, la cavalerie arrive, pas de problème. Je vais faire venir quand même des hélicos. Il y a des tanks. Des bestioles détruites. Les unités endommagées ne peuvent plus ni combattre ni se déplacer. J'ordonnerai leur évacuation automatiquement. Bien reçu, on se replie.
Vérifiez unité 4. C'est la panique. On y va, mon colonel. Nos ingénieurs de combat ne sont pas à couvert, mon colonel. Faites attention. Les hommes sont en pleine forme. Affirmatif. On part tout de suite. Affirmatif. Nous sommes en route. Et voilà. On leur attaque de la route. Ici Dagbob. Ils vous marchent dessus, là. De nombreux ingénieurs sont toujours exposés. Aucun abri disponible. Ici Thermite. Bon, il n'y a pas d'hélicoptère. Je pense qu'il nous disait qu'on avait des renforts. L'ennemi a été anéanti. Ici le quartier général. Félicitations pour cette magnifique victoire face à un ennemi que nous n'avons pas vu venir. Comment les choses se sont-elles passées à Kennedy et aux Pays-Bas, mon général? Rien de bien réjouissant. Les dégâts subis sont restés superficiels. Si c'est tout ce que les peuples opprimés savent faire, ils ne s'étonnent pas de leurs conditions. Et maintenant, laissons venir. La graine est plantée. Il ne reste qu'à arroser et laisser pousser. Les gens veulent savoir qui a commandité les attaques du 4 avril. Les trois gouvernements mènent leur propre enquête afin de découvrir qui a financé les terroristes et leur a fourni leur armement. Les preuves sont formelles. C'est Poulain. Le ministre européen de la Défense. Ça va pas être simple à gérer. L'Amérique mord à l'hameçon, mon général. Il s'apprête à enlever Poulain pendant son inspection du réseau de tours de liaison de Copenhague. Lorsqu'ils entreront en action, assurez-vous que la police danoise reçoive un appel anonyme. Ici Crash Cart. Nous avons le paquet, mais l'extraction a échoué. Je répète, l'extraction a échoué. Nous sommes en très mauvaise posture. Bon bah on va s'arrêter là. Si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu. Et abonnez-vous. Et partagez la vidéo avec vos proches et vos amis. Je pense que je vais faire une suite. Mais dites-moi s'il y a des jeux que vous voulez que je teste. Ou je sais pas. Dites-moi les jeux que vous voudrez que j'essaye et je vous dirai si je peux ou pas. Voilà. Donc, salut et à une prochaine vidéo. Salut petit poney.